Salut à tous, je m'appelle Guillaume, bienvenue sur Audio Fanzine et dans cette vidéo, je vous parle de la méthode 4 câbles. Bienvenue à tous, comme d'habitude, j'espère que vous portez extrêmement bien, que la vie est belle et je tiens à vous rappeler que tout le matériel que j'utilise ici est disponible chez Thomann dans les liens dans la description ci-dessous. Alors, la méthode 4 câbles est, comme son nom l'indique, une méthode de câblage, une méthode de branchement de votre matériel pour guitare, pour basse, peu importe, qui nécessite 4 câbles. Ça, c'est pour les basses. Je vais vous expliquer rapidement où vont chacun de ces câbles, également dans quel cas de figure vous allez pouvoir avoir besoin, avoir envie d'expérimenter un peu avec cette méthode-là qui vous permet de faire énormément de choses super sympathiques. Et on va commencer donc en parlant du branchement sur ces 4 câbles. Le premier va aller de votre instrument à votre première pédale d'effet. Vous allez ensuite pouvoir enchaîner vos différentes fuzz, overdrive, distorsion, peu importe, peut-être même quelques modulations, un compresseur, je ne sais quoi, tous vos effets qui seront dynamiques, les effets qui vont influer sur la nature elle-même du son qui va arriver dans votre ampli. Le deuxième câble va partir du dernier de ces effets-là pour arriver dans l'input, dans l'entrée donc de votre ampli, c'est ce câble-là. Notre troisième câble, il va partir de la boucle d'effet qui se trouve traditionnellement à l'arrière de votre ampli, FX Loop, et il va partir du FX Send, donc de l'envoi de cette boucle d'effet pour arriver dans l'entrée de votre première pédale temporelle, on va dire. En effet, en règle générale, dans la boucle d'effet, ce qu'on veut, ça va être tous les effets type délai, les effets reverb, certaines modulations particulièrement lourdes, par exemple. Et on va revenir sur le pourquoi juste après. Et donc voilà, ce troisième câble, FX Send, vers l'entrée de la première pédale temporelle de votre chaîne d'effet. Le quatrième câble, pour finir, va partir de la dernière de ces pédales, donc votre dernière pédale de délai, la dernière pédale de reverb que vous avez dans votre chaîne, par de là pour aller dans le FX Return, le retour de la boucle d'effet qui se trouve également à l'arrière de votre ampli. En soi, c'est tout ce que vous avez à faire. La méthode 4 câbles, ça décrit ce branchement bien spécifique. Mais à quoi il sert? À quoi bon acheter 2 câbles supplémentaires? Eh bien, je vais vous le dire. La méthode 4 câbles, elle va vous permettre de séparer vos effets avant et après le préampli, les tâches de préamplification en tout cas, de votre ampli. Si vous avez un doute sur le quoi, qu'est-ce que ça veut dire les tâches de préamplification, j'ai fait une vidéo dédiée sur l'architecture des amplis de guitare en règle générale. Mais en gros, pour ceux qui ne souhaiteraient pas regarder cette vidéo, pour une raison X ou Y que je ne comprends pas, les tâches de préamplification, c'est là où vous allez trouver votre égalisation, votre réglage de saturation notamment. Je vais m'arrêter sur les tâches de saturation, principalement parce que c'est la raison pour laquelle on a cette boucle d'effet à l'arrière de l'ampli. La boucle d'effet, ça vous permet simplement d'introduire certains effets après l'étage de saturation. Donc cette boucle se trouve entre le préampli et l'ampli de puissance. Ceux parmi vous qui auront déjà essayé de mettre leur pédale de reverb avant leur pédale de distorsion savent de quoi je parle. Si vous distordez un son qui est déjà temporellement affecté par un délai, par une reverb, peu importe, une modulation qui serait peut-être un peu trop envahissante, derrière la distorsion, elle ressemble plus à grand-chose. À moins que vous soyez vraiment dans le shoegaze bien bien lourd, bien trempé, ou voilà, du psychédélique vraiment intense, auquel cas évidemment ce seront des usages qui sont même recommandés. Si vous mettez ça avant votre distorsion, vous rendez rapidement compte que votre distorsion, elle va perdre de toute sa précision. Elle perd beaucoup de son attaque, elle va perdre de sa précision, ça devient quelque chose de très ambiant, de très... qui est difficilement contrôlable. Et donc, cette méthode 4 câbles, elle vient pallier à ce problème si vous utilisez la distorsion de votre ampli. Dans le cas présent, j'ai mal choisi mon exemple parce que aucun de mes amplis ne fait distorsion, mais admettons ce petit rêve des vins. À un canal de distorsion un peu plus important que le boost qu'on a en face. Vous utilisez la distorsion de votre ampli, votre PV 5150, 6505, peu importe, et vous souhaitez utiliser des reverbs et des delays, si vous les mettez en face de votre préampli, donc juste avant l'input de l'ampli, ça va complètement ruiner le son de base, le son distordu de base que vous avez. C'est pour ça qu'il faut les mettre dans la boucle d'effet, et d'où le titre de cette vidéo, l'usage de cette méthode que je vous décris, la méthode de 4 câbles, qui vous permet d'introduire ces effets après le préampli, afin de conserver le son distordu de votre instrument tel que vous le connaissez, mais d'ajouter simplement une reverb, un delay, peu importe, après cet étage de distorsion.
Si vous utilisez des plugins, des préamplis, des modelers, des AxeFX, des Camper, des Quad Cortex, des Tonex, de peu importe la quantité qu'il y a sur le marché actuellement, c'est exactement le même principe. Vous allez pouvoir vous rendre compte que dans ces menus, ces réglages donc de votre signal chain, de votre chaîne de signal sonore, vous allez pouvoir tirer des parallèles pour créer une chaîne qui va se trouver donc entre l'étage de préampli et l'étage d'amplification, ou bien encore entre l'ampli, en gros, si vous voulez, dans certains modules qui sera un petit peu plus simpliste, mais pour de bonnes raisons en règle générale, vous allez pouvoir introduire ces effets entre le petit bloc qui représente votre ampli et le petit bloc qui représente votre haut-parleur. Le résultat sera le même, vous conservez le son de l'ampli tel qu'il est, vous ajoutez vos effets après ça pour un rendu qui sera évidemment beaucoup plus propre que si vous veniez à mettre votre grosse réverb avant une pédale de fuzz ou avant l'entrée d'un ampli super saturé par exemple. Voilà, petite vidéo rapide, c'est quelque chose que j'utilise énormément, notamment dans le cadre de ces appareils de modélisation, ces plugins, parce qu'il y a énormément de sons super sympas à avoir quand on commence à distordre un petit peu son ampli, que je parle évidemment du rock et du métal, les métalleux parmi vous vont me dire, oui, évidemment, la boucle d'effet. Mais peut-être que certains d'entre vous n'en avez encore jamais entendu parler, et vous jouez un petit peu avec des pédales en face de votre ampli, hein, en règle générale, mais vous commencez à vouloir utiliser un peu de gain dans l'ampli, ça peut rapidement poser problème. Donc voilà, cette méthode vient pallier à ça. J'espère que si vous n'étiez pas familier, vous l'êtes. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner à AudioFanzine et sonner la petite cloche pour rien louper de toutes les vidéos qui arrivent. Prenez bien soin de vous, et je vous retrouve dans la prochaine. Bye.